route et lui a posé, à défaut de beaucoup de problèmes, beaucoup d'incertitudes. Après 90 minutes sans grand danger, ni d'un côté, ni de l'autre, Lorient pousse le grand frère nantais à disputer les prolongations. Les deux équipes sont restées sur le score de 0-0 après le temps réglementaire. Et lors du premier quart d'heure des prolongations, Nantes va marquer par l'intermédiaire de Loco sur une superbe tête. Nantes mène par 1-0. Et le FC Nantes est définitivement sorti d'affaire lorsque Nicolas Wedek est fauché dans la surface de réparation de l'équipe de Lorient. Il obtient un pénalty, il le tient lui-même. Nous sommes là à la 105e minute de jeu. Le gardien s'appelle Philippe Schutt, ça nous rappelle quelque chose en D1. Wedek doit s'y reprendre à deux fois pour marquer ce fameux but. 2-0 maintenant pour Nantes, c'est le score final devant Lorient.